tel qu'un bon café pour démarrer la journée ou clore un bon repas. Pour ma part, je déguste une bonne petite tasse de café ougandais. Et vous, d'où vient le café que vous consommez? Peut-être que d'ici peu, il viendra de Kinshasa. Et oui, la capitale congolaise produit également son café, et ce grâce à une entrepreneure qui n'a pas froid aux yeux. Elle s'appelle Tizia Mukuna. Elle raconte son incroyable parcours au micro d'Elodie Toto. On a tendance à penser que l'agriculteur est forcément un homme d'un certain âge, avec beaucoup de sous pour faire de grandes choses. Alors qu'on peut être jeune, une femme, avec pas beaucoup de sous et essayer de faire de grandes choses quand même. Je suis productrice de café. Là, on se trouve à la plantation de café à Mongafula, la seule plantation qui se trouve à Kinshasa. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé ma marque de café, la Quinoise. Souvent, au Congo, le café pousse à l'est du pays, à l'équateur, au Congo central, mais jamais à Kinshasa. Une légende urbaine, j'ai envie de dire, parce que finalement le café pousse, mais aussi parce que le café a besoin de certaines conditions pour pousser, de l'ombrage, des températures pas trop extrêmes, de l'altitude. Le fait qu'on ait ce microclimat là où on est, on a réussi cette originalité à faire pousser du café, et surtout le fait qu'on ait essayé. Parce qu'au-delà de tout ça, je pense que les gens se disaient, voilà, il n'y a pas les conditions pour faire pousser du café à Kinshasa, alors on n'essaye pas. Au départ, c'était juste parce que j'étais têtue et que je voulais vraiment voir si ça poussait. On m'a dit que ça poussait pas. Je me suis dit, bon, on peut essayer, ça coûte rien. Et puis en plus, à la base, on plantait d'autres choses. Quand je dis on, c'est parce que c'était une passion que j'avais avec mon père. Donc on a commencé comme ça, comme une passion. Les orangers n'ont pas bien poussé, les citronniers n'ont pas bien poussé, le café a poussé. Incroyable. Et c'est quand on m'a dit de le revendre ailleurs, que ce soit en Turquie ou au Liban, que je me suis dit, mais attends. Je suis la seule à faire pousser du café à Kinshasa, pourquoi je vais le revendre à un autre pays? Autant le transformer moi-même, le valoriser moi-même et montrer cette originalité au monde. Malgré le fait qu'on ne soit pas le premier pays consommateur de café, beaucoup de gens ont été très heureux de voir qu'il y a une marque congolaise. Il y a deux réactions par rapport à ça. Soit les personnes trouvent que c'est bien, que ça demande du courage et ils sont du coup encourageants. Et d'autres n'arrivent pas à me prendre au sérieux. Donc c'est ma crédibilité qui est remise en cause. Comme si quelqu'un était derrière moi, un mari, un père, un fiancé, un frère. Par exemple, on va montrer à un restaurant comment faire un bon frappuccino. On va proposer à un autre restaurant comment faire un bon mochaccino. Et là, il va proposer le mochaccino la quinoise. Donc on essaie quand même de montrer comment consommer le café ici au Congo. Et même s'il y a des géants en face de nous, on n'a pas trop peur non plus. Ma première tasse de café la quinoise, oh là, c'est un café fort. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est fort. Mais elle était remplie d'émotions, parce que c'était après beaucoup de péripéties, d'aventures. J'avais annoncé que j'allais lancer ma marque la quinoise. Je pense 2 ans avant qu'elle soit effectivement lancée. Donc souvent des gens, pour un peu me taquiner, me disaient « Bah alors ta marque, toujours pas lancée, tout ça. » Donc là, c'était un peu la tasse de « Enfin !» Le café, là. Demain, j'aimerais être aussi à Brazzaville. J'aimerais qu'on puisse me trouver même au Mexique, en Belgique, en Chine. Donc je suis dans un état d'esprit de développement de la marque, pas simplement nationalement, mais internationalement. J'aimerais que quelqu'un, un jour, au Canada, se dise « Il est bon le café congolais, ils ont un vrai savoir-faire » et pas juste qu'on soit valorisé au travers de pays étrangers qui vont valoriser la matière brute que l'on trouve ici. Beaucoup de gens pensent qu'il faut commencer comme un boss. On commence jamais comme un boss. Il faut toujours commencer petit à petit. Comme on dit au Congo, « Malembe, malembe ». C'est beaucoup de galères. Donc il faut savoir être patient. Et c'est beaucoup de galères amène le deuxième conseil, ça serait être déterminé. Parce que parfois, certaines personnes peuvent vous donner des conseils. C'est pour votre bien. Donc ils veulent vraiment vous protéger. Mais c'est des conseils qui peuvent aussi être démotivants. Comme par exemple, si je dois me référer au café, mais il y a beaucoup de concurrents. Au Congo, personne ne boit du café. Comment tu vas t'en sortir avec tes machines, il n'y a pas d'électricité. Bon, bref, tous ces conseils qui sont là pour vous protéger,
Si vous n'êtes pas un minimum déterminé, vous pouvez vite baisser les bras en disant oh, « c'est vrai, ils ont raison, après tout, pour venir jusqu'à cette plantation, il faut prendre la moto, c'est compliqué. » Donc il faut quand même rester déterminé. Et troisième conseil, vous n'y arriverez jamais seul. Il faut avoir une équipe. L'accès à l'eau potable reste un enjeu majeur à travers le continent. Les systèmes de traitement des eaux sont souvent très onéreux ou alors trop complexes. Et c'est la raison pour laquelle notre génie de la tech de la semaine a inventé un petit dispositif qui permet de filtrer les impuretés trouvées dans les eaux de façon